Bonsoir, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes très heureux d'être là encore cette semaine. Nous commençons notre programme hebdomadaire d'enseignement et d'édification. Et je bénis Dieu pour votre présence. Nous disons shalom à notre frère Jacob. God bless you, son. Mama, oui, Vakalombo, que Dieu te bénisse. Donc, le frère Jacob est à Kampala. Mama, oui, va aux États-Unis. Victor Luanzo est en Inde à Hyderabad. Hyderabad, nous te saluons. Je salue vous tous qui êtes à Hyderabad. Samuel Chibwabwa et tout le monde qui est là. Que la main de Dieu soit avec vous. Maman Gertrude Mbololo à partir de la Belgique. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour ces week-ends, pour sa grâce, sa main sur nous, sa protection. Il nous a bénis et je crois que vous avez également passé un bon week-end dans la présence de Dieu. Beaucoup de choses se sont passées, Dieu nous a visités. Nous disons bonsoir à la sœur Natacha Mbikulu Uchunga. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Partagez la vidéo afin que les autres se joignent à nous. Comme promis, aujourd'hui, nous entrons maintenant, nous avons fini le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4. Nous avons déjà commencé, nous commençons aujourd'hui maintenant l'étude de la succession d'événements dans les livres d'Apocalypse et nous prenons spécifiquement le chapitre 5 qui va nous servir de base et nous allons naviguer tous ensemble pour voir. Et la fois passée, quand nous avons parlé de la visite de Jean au ciel. Jean a vu le ciel, il voit le trône, il voit celui qui est sur le trône, il voit les êtres spirituels, les quatre êtres vivants, il voit le 24 vieillard, il voit la louange qui est donnée à Dieu. Nous saluons les prophètes et les patients qui est là. Merci d'être là. Et aujourd'hui, nous allons voir, vous allez comprendre finalement... le prophète patient est à Kinshasa. Vous allez comprendre profondément ce chapitre 5 où il y a les livres, les sept sceaux et l'agneau de Dieu qui s'élève pour ouvrir les livres et en rompre les sept sceaux. La question maintenant, je sais que beaucoup de gens, après avoir lu ces livres, surtout ces chapitres, ils se demandent que veut dire le livre, les sept sceaux. Aujourd'hui, vous allez comprendre le sens de cela. Et je bénis le Seigneur pour la révélation. Parce que ce livre est une grande bénédiction pour l'Église afin qu'on sache. Malheureusement, beaucoup de gens par paresse intellectuelle d'abord, avant de parler de la paresse spirituelle, ils ne se mettent pas à lire et à méditer, étudier la Bible afin de saisir les mystères et de dévoiler cela. Donc, mais nous, Dieu nous a fait grâce de pouvoir nous donner... le volume est un peu plus bas. Ok, nous allons augmenter. Maman Riva. Alors, dites-moi si c'est bon, je continue. Dites-moi si c'est bon, je continue. Ok, attendez, je vais carrément... comme il y a le volume. Donc, j'étais en train de dire, le Seigneur nous permet de pouvoir lire. On est en train d'augmenter le volume un instant. Juste un instant, ok. Je crois qu'il y a un petit souci pour le volume. On va essayer de changer la disposition. Donc, je disais, nous sommes en train de parler du livre d'Apocalypse. Et le livre d'Apocalypse a été mal interprété, surtout mal enseigné, simplement, comme je le disais, à cause d'une certaine paresse intellectuelle de pouvoir faire des recherches dans la Bible, pas dans d'autres livres. Dans la Bible, parce que la Bible s'explique par lui-même et il suffit simplement de lire, mais aussi de se confier au Saint-Esprit, de croire que l'Esprit de Dieu nous donne l'intelligence de pouvoir comprendre les Écritures, parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas comprendre. Et beaucoup se sont juste limités à prendre des choses parfois publiées par des gens qui ne croient pas aux Écritures. Et ils ont juste pris des théories développées. Et la fois passée, j'avais insisté sur un fait en disant que personne ne peut de lui-même connaître tout. Et la Bible le dit carrément que nous connaissons en partie. Et c'est
comme nous connaissons en partie, personne ne peut, en tout cas, s'élever et dire qu'il connaît tout. Et quand tu ne connais pas tout, ça te permet aussi d'écouter ou d'observer ce que les autres peuvent dire, ce que les autres peuvent ont reçu comme révélation. C'est ça la complémentarité du corps de Christ. Et beaucoup d'interprétations, comme aujourd'hui, tout à l'heure, juste avant de commencer le live, j'ai suivi quelqu'un qui était en train de dire que après, quand nous serons enlevés dans l'éternité, nous serons asexués et nous serons comme des anges. D'abord, il refuse d'étudier pour savoir être comme les anges veut dire quoi. Et il oublie que les anges n'ont pas un corps, alors que nous aurons un corps physique. Et la Bible dit, il nous a rachetés afin que nous régnions avec lui. Alors, nous saluons Cédric Toumba. Merci pour le son maintenant. OK. Donc, comme je le disais, je veux lire Apocalypse 5. Je vais d'abord tout lire et puis je vais expliquer. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ait pu ouvrir le livre, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne n'ait fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants et un au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, des parfums qui sont les prières de saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » J'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et de vieillards. Et leur nombre était des myriades, des milliers, des milliers. Et il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur le mer et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle de siècle. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen ». Et le vieillard se prosternèrent et adorèrent. Amen. Comme je disais, comme nous sommes en train d'avancer, aidez-moi à partager. J'aimerais voir tout le monde qui est en ligne. Partagez la vidéo dans votre page. Partagez dans des groupes. Partagez afin que plusieurs se joignent à nous avant que nous ne progressions dans la profondeur de ces choses. Première chose sur laquelle je vais insister, comme je l'avais déjà dit en introduction, donc si vous n'avez pas suivi l'introduction de nos enseignements, je vous prierai d'aller sur notre chaîne YouTube, Turam Kasongo TV, et vous allez trouver tous les enseignements, commençant par la leçon 1 jusqu'à la fin, et voilà. Les livres, et c'est 7 sceaux ici, Jean monte et au ciel, maintenant il voit une scène. Première chose que vous devez retenir, je l'avais déjà dit, la logique du temps dans la succession des visions n'est pas la même que la succession de chapitres. Même si vous voyez, il dit « après cela », ça ne veut pas dire que les événements se suivent exactement comme les chapitres se suivent. Pour preuve, quand nous lisons par exemple Apocalypse 12, 7 à 9, ouvrez avec moi, Apocalypse 12, 7 à 9, la Bible dit ceci, « Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts.
et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ici, il s'agit d'un événement. Si nous devons situer, par exemple, cette portion des Écritures dans les temps matériels, vous allez voir que le diable n'a pas été précipité après la création de l'homme. Le diable n'a pas été précipité après le jardin d'Éden, mais le diable a été précipité avant. Le diable a été précipité avant avec un tiers des anges. Voyez un peu, si le diable était précipité avant le jardin, alors d'où venait le diable qui a tenté l'homme dans le jardin? Ça veut dire que le diable existait même avant que l'homme ne soit placé dans le jardin. Ça veut dire que le diable était précipité avant que l'homme ne soit placé dans le jardin, parce que c'est lui qui est venu tenter l'homme. Ce qui fait que cette scène ici où le diable veut prendre la place au ciel, veut régner au ciel et qu'il est précipité et sa place ne fut plus trouvée là-bas avec le un tiers des anges, cette scène se passe avant. Avant quoi? Avant la vie que nous connaissons aujourd'hui, avant la réalité actuelle de la terre. Et si, en termes de succession des chapitres ou en termes de révélations que Jean reçoit, ceci ne peut pas venir avant le chapitre 1 d'Apocalypse. Parce qu'au chapitre 1 d'Apocalypse, Jean voit Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité, qui a vaincu le diable. Et puis, au chapitre 4, il monte au ciel. Au chapitre 5, il voit cette scène-là. Et si nous devons maintenant dire que les chapitres d'Apocalypse, les révélations se suivent comme ça, et dans les temps, c'est la même chose. Donc, au chapitre 12, nous voyons le diable être précipité. Est-ce que le diable a été précipité après que l'Église existe? Parce qu'au chapitre 1, on parle de l'Église. Donc, vous voyez que la succession de visions que Jean voit n'est pas dans le temps matériel, la succession des chapitres. Donc, il y a des choses qui sont, par exemple, ça se trouve au chapitre 12. Mais en réalité, ça devait être au chapitre 1, où l'histoire commence au début. Le diable est précipité, ensuite on avance, il vient tenter l'homme, et ainsi de suite. Donc, pour vous dire que c'est une erreur majeure de croire que les événements de l'Apocalypse se suivent, excusez-moi, exactement comme les chapitres se suivent. Mais il faudrait l'intelligence et il faudrait l'inspiration de l'esprit pour comprendre maintenant comment prendre ces chapitres et les placer en ordre afin d'en comprendre les sens. Alors, nous regardons une scène. La Bible dit que Jean pleura. Je veux le lire. Il dit ceci. Et puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ait pu ouvrir les livres, ni les regarder. Et la Bible dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Regardez un peu ici, il pleure parce que personne n'est digne. Mais c'est Jean qui pleure. Pourquoi Jean doit pleurer parce que personne n'est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? C'est qu'il comprend le sens de ces livres-là et le sens des sceaux qui devraient être ouverts. Et comme personne ne prend les livres, personne n'ouvre, ça veut dire qu'il y a une grande conséquence et Jean voit cette conséquence, Jean pleure. Mais quelle est cette conséquence-là qui doit faire pleurer Jean parce que personne n'est là pour ouvrir les livres? Et une autre question est la suivante. Pourquoi est-ce que Jean ne trouve personne digne alors qu'au chapitre 1, au chapitre 2, au chapitre 3, c'est Jésus-Christ qui lui parle et lui dit « Je suis digne ». Il connaît le Seigneur, que le Seigneur peut tout faire. Jean connaît le Seigneur. Mais comment est-ce qu'il ne réfléchit pas? Mais pour dire, quand la voix a dit qu'il est digne d'ouvrir les livres et de rompre les seuils, Jean devait commencer peut-être une prière, dire, « Oh, je sais que le Seigneur Jésus peut faire ça, parce qu'il s'est révélé en moi, celui qui est mort et qui est ressuscité. S'il a vaincu la mort, alors que représente un livre et ses sept sceaux ?»
Jean allait trouver Jésus. Mais pourquoi Jean n'a pas su qu'il y a quelqu'un qui est dit? Et quel est ce livre-là dont l'ouverture et le fait que personne ne soit trouvé doit faire pleurer Jean? Jean voit les conséquences. Nous allons maintenant analyser pour comprendre pourquoi Jean doit pleurer. D'abord, que représente ouvrir les livres et rompre les sceaux? La scène est la suivante. Après la guerre au ciel que nous venons de lire dans Apocalypse 12, le diable est précipité. Quand le diable est précipité, il descend sur la terre qui était le domaine réservé à l'homme, c'est-à-dire là où l'homme devait dominer, régner et assujettir. C'est le domaine de l'homme, la terre. La terre est le domaine de l'homme. Mais le diable qui devait rester là-bas est précipité sur la terre. Et la présence du diable avec toutes ces myriades et des myriades d'anges qui ont été précipités avec lui représente un grand désastre pour la terre, représente un grand malheur sur la terre. Parce que quand le diable et ces myriades d'anges qui sont devenus des démons descendent sur la terre, ça ne présage pas quelque chose de bon sur la terre. Ils viennent créer le trouble, le malheur. Et parce qu'ils descendent avec une colère. Ils n'ont pas pu régner là-bas. Et au ciel, ils ont voulu prendre le pouvoir. Ils ont été faibles et vaincus. Mais sur la terre maintenant, qui va le vaincre? Parce que c'est l'homme qui règne sur la terre. Et ils vont vouloir prendre les règnes. Parce que c'est l'homme qui domine et qui règne. Quand ils descendent, c'est pour qu'ils prennent le règne. Et par conséquent, ils vont... How to say it? Renverser. Ils vont renverser l'homme et lui reprendre son pouvoir. Et quand ils vont reprendre le pouvoir, l'homme sera dans les malheurs. C'est pourquoi Apocalypse 12:12 dit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, il descend avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il dit malheur à la terre. Et c'est ce malheur que Jean est en train de voir. Le diable voit le malheur du diable qui descend, qui reprend le pouvoir sur la terre, qui détruit la terre, qui fait de mauvaises choses. Jean voit cela et Jean pleure. Il voit cette catastrophe-là. Et une chose ici, on dit qu'il a peu de temps. Le diable sur la terre, peu de temps. Qu'est-ce que représente ce peu de temps? Parce que depuis que le diable a été précipité du ciel, jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 7000 ans. Ça fait des millénaires. Mais la Bible appelle ça peu de temps. Peu de temps, pourquoi? Parce que quand, même si vous prenez 10 millions d'années, dans l'éternité, c'est toujours peu. Et il dit, il descend avec une grande colère. Alors, maintenant, comme le diable descend avec une grande colère, il faut que quelque chose arrête le diable, que le diable ne détruise pas complètement, que le diable ne règne pas pour toujours sur la terre, que la terre ne reste pas dans le malheur pour toujours. Et maintenant, les livres et les sept sceaux, les livres et ces sceaux représentent l'exécution du plan de la rédemption des hommes et la fin du règne du diable. Donc, le fait d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux représente les plans maintenant qui fait en sorte que les malheurs qui est descendu sur la terre prennent fin. Ça représente un plan qui délivre l'homme de ces malheurs que le diable a amenés. Et puis, c'est ce plan-là aussi qui met fin aux œuvres du diable. C'est ce plan-là. Et ces livres représentent ça. Maintenant, quand on présente les livres, on dit qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Ça veut dire qui est digne d'aller exécuter le plan de salut, le plan de sauvetage de la terre. Qui peut aller sauver la terre de ce malheur qui est descendu vers eux? Parce que le diable descend avec une grande puissance, avec une grande colère pour détruire. Maintenant, ces livres représentent les plans. Qui va prendre les plans et exécuter les plans? Jean, maintenant, il regarde, il ne voit personne. C'est pourquoi il pleure. Pourquoi il pleure? Parce qu'on a ramené Jean dans cette scène-là et on a un peu enlevé dans sa connaissance la présence du Seigneur, l'œuvre. Parce que Jean est vieux, il connaît quand même l'Évangile. Jésus leur a parlé.
Jésus a parlé à Jean, comment est-ce qu'il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Mais en ce moment-là, on amène Jean dans une vision, on lui enlève toute la connaissance qu'il avait du Seigneur pour lui montrer la scène, afin qu'il se rende compte du grand malheur qu'il y a eu et pour qu'il découvre la profondeur de ce que Jésus a accompli. C'est comme si on a un peu effacé sa connaissance du Seigneur qu'il connaissait. Et Jean se retrouve là comme un homme qui voit une scène et qui n'a jamais participé dans cette scène-là. Maintenant, il pleure par rapport au malheur qu'il voit du diable qui est précipité. Maintenant, on présente un plan de salut et personne n'est trouvé pour exécuter ce plan de salut. Jean pleure. Maintenant, quand Jean pleure, nous allons lire Apocalypse 5, 6 à 10. Apocalypse 5, 6 jusqu'à 10, je veux lire. La Bible dit ceci. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Vous savez, on a mis l'ignorance, on a enlevé un peu toute la connaissance que Jean avait et Jean pleura. Ouais. Quand vous ignorez la vérité, vous allez toujours pleurer. Ça, c'est une parenthèse. Mais la Bible dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses sept sceaux. Quand on parle du lion, on a parlé de c'est-à-dire celui qui a accompli toute l'œuvre déjà. Mais Jean, il ne peut pas voir directement les plans arriver déjà à sa fin. Maintenant, regardez ce que Jean voit. Lui, il doit voir la succession de choses pour comprendre. Et je vis au milieu du trône et de quatre êtres vivants et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits des dieux envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il eut pris les livres, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau. » La Bible dit, « Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau. » C'est-à-dire, tu es digne d'accomplir le plan de sauvetage, le plan de salut qui consiste à sauver l'homme de ses malheurs et à prendre le diable, à les lier pour toujours. C'est Jésus qui est digne. Maintenant, il dit, « Tu es digne de prendre les livres, d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé. » Ok. Jésus est digne d'ouvrir les livres parce qu'il a été immolé. Non pas, il est immolé parce qu'il ouvre les livres. Il ouvre les livres parce qu'il a été immolé. Donc, l'agneau a été immolé bien avant. Et c'est cet agneau qui a été immolé bien avant qui est digne d'ouvrir les livres. Vous comprenez? Je veux expliquer cela et je veux vous montrer quand est-ce qu'il a été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront pas au ciel, mais ils régneront sur la terre. Dieu nous a sauvés afin que nous régnions sur la terre. Alors, Jésus-Christ, c'est ce plan-là, c'est lui qui vient parce qu'il a été immolé. C'est pourquoi il est digne de venir exécuter le plan du salut. C'est ce que Hébreux 10, 5 à 7 dit. Hébreux 10, 5 à 7 dit. Je veux lire. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. » Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voici, je viens, c'est moi qui viens dans le rouleau du livre. Je viens pour exécuter ces plans-là. Je viens pour faire ta volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Que la terre soit délivrée du malheur, que les hommes soient délivrés, que le diable soit lié et qu'il soit jeté en enfer. Et c'est Jésus qui prend un corps. Et il vient sur la terre. C'est comme ça l'apôtre dit, Jésus est le Christ entrant dans le monde. Il a pris un corps, il est venu dans le rouleau du livre pour accomplir la volonté de Dieu. Et c'est l'agneau qui s'est levé, qui a pris le livre et qui a ouvert et qui a rompu le sceau. Maintenant, j'ai dit ceci, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, a ouvert les livres
pour exécuter le plan du salut? Parce qu'il a été immolé. Parce qu'il a été immolé. Pourquoi Dieu est concerné à délivrer les hommes de ces malheurs-là qui est causé par le diable sur la terre? Parce qu'avant même que le diable ne soit précipité, Dieu avait déjà racheté tous les hommes en sacrifiant l'agneau. En sacrifiant l'agneau. La Bible le dit dans Apocalypse 13, 8. Je lis dans la version Martin. La Bible dit, « De sorte qu'elle sera adorée par tous ceux qui habitent sur la terre, desquels les noms ne sont point écrits au livre de vie de l'agneau. » L'agneau immolé avant, dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde, c'est-à-dire avant même que le diable ne soit précipité, avant que Dieu avait déjà payé le prix du salut des hommes. Mais quand le diable maintenant descend et il détruit les choses, Dieu est concerné pour ramener les hommes dans son plan originel. Et c'est pourquoi il y a maintenant quelqu'un doit descendre, quelqu'un doit faire quelque chose pour exécuter ces plans-là. Et le Christ qui a été immolé vient maintenant, c'est lui qui est digne pour exécuter les plans parce que c'est lui qui a été immolé pour les hommes. Pour combien de hommes Christ est mort? Je veux vous peindre l'image. Apocalypse 5, 9 dit ceci. Apocalypse 5, 9 dit ceci. Et il chantait un cantique nouveau en disant, écoutez ce qu'il disait, « Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Les hommes de toute la terre ont été sauvés avant que quiconque ne fasse la confession du salut. » Frère, nous ne sommes pas sauvés lorsque nous recevons Jésus-Christ dans nos vies. Mais nous sommes sauvés avant même que nous ne naissions. Avant même que la création soit, Dieu avait déjà payé le prix pour nos péchés. De telle sorte que sur la terre, tout homme, de tout peuple, de toute tribu, de toute nation, est déjà sauvé et son nom est écrit dans les livres de vie. Nos noms ne sont pas écrits dans les livres de vie après la mort de Jésus-Christ à la croix. Non, le nom de tous les hommes sur la terre, de tous ceux qui sont nés de femmes et d'hommes qui vivent sur la terre, leurs noms ont été écrits dans les livres de vie avant la fondation du monde, lorsque l'agneau avait payé ce prix-là. Et le livre de vie n'a pas été créé à la croix. Non, le livre de vie a été créé avant. C'est-à-dire, tout homme, avant qu'il ne naisse, son nom est déjà dans le livre de vie, c'est-à-dire qu'il est déjà sauvé. Parce que l'agneau a déjà payé le prix pour lui. Tout homme est sauvé avant même qu'il ne naisse. Tout homme est sauvé avant de venir au monde. Alors tu vas me dire, évangéliste, maintenant, pourquoi nous recevons Jésus dans nos vies et pourquoi d'autres iront en enfer, d'autres iront au ciel? J'explique maintenant. C'est là où les mystères se trouvent. Mais je vais d'abord lire des textes pour vous montrer que les livres de vie existaient avant même que Jésus ne descende sur la terre. Et les noms des hommes étaient écrits dedans. Exode 32, 32 à 33. Exode 32, 32 à 33. La Bible dit ceci. C'est Moïse, après que le peuple ait péché, Moïse maintenant vient demander, plaider leur cause devant le Seigneur. Il dit, pardonne maintenant leurs péchés. Exode 32, 32 à 33. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Oh, Moïse parle déjà du livre que Dieu a écrit, où son nom figure. C'est le livre de vie. Moïse dit, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et puis Dieu répond à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Je vais effacer de mon livre celui qui a péché contre moi. David aussi parle du livre de vie. Jésus n'est pas encore venu sur la terre, mais David parle. Psaume 69, 28 à 29. Psaume 69, 28 à 29. David dit ceci. Ajoute des iniquités à leur iniquité et qu'ils n'aient point part à ta miséricorde. Qu'ils soient effacés du livre de vie. Qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient point inscrits avec le juste. Ici, David est en train de parler des gens qui vivent dans l'iniquité et qui lui font du mal. Et il demande que leur nom soit effacé dans les livres de vie. Ah, il ne peut pas demander que leur nom soit effacé du livre de vie si leurs noms ne sont pas inscrits. Leurs noms sont inscrits dans les livres. Même le plus mauvais là,
Son nom est inscrit. Ils sont tous, tous, nous sommes sauvés. Nous naissons dans le salut. Ok. Je vais rendre ça un peu plus clair. Avant même qu'Adam ne soit créé, l'agneau de Dieu, comme nous venons de le lire, la Bible dit, il a fait quoi? Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tous les hommes, il avait déjà fait avant la création du monde. Les hommes ont été payés. Il a payé pour tous les hommes. Maintenant, la réalité du salut est laquelle? C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Je vais vous expliquer et éclairer aujourd'hui. Le salut est celui-ci. Tout homme a déjà été sauvé et aucun homme à sa naissance, n'est sous la condamnation. Aucun homme. Pourquoi je dis ça? Je vais vous expliquer ça. 1 Corinthiens 15, 45 et puis 47. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi, 1 Corinthiens 15, 45 d'abord. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Et puis la Bible dit, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier, qui? Adam. Pas le second Adam. Jésus-Christ n'est pas le second Adam. La Bible parle de Jésus-Christ comme le dernier Adam. Malheureusement, dans les milieux ecclésiastiques, comme je vous disais, il y a une paresse intellectuelle. On parle du second Adam. Alors que dans la Bible, dans toutes les versions, jamais et dans aucun verset, Jésus n'a été appelé le second Adam. Il n'est pas le second Adam, mais plutôt le dernier Adam. Il y a une différence entre le second et le dernier. Jésus-Christ n'est pas le second Adam. Jésus-Christ est le dernier Adam. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque Dieu a créé Adam, qui est le premier homme, le diable est venu et il a trompé Adam. Il a conduit Adam en erreur et Adam a péché. Et comme Adam avait péché, tous ceux qui naissent d'Adam naissent maintenant dans les péchés et car la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ce péché-là, c'est en Adam. À cause du péché d'Adam, tous ceux qui naissent d'Adam naissent sous la colère de Dieu, sous la condamnation du péché. Est-ce que vous suivez ça? Ils naissent sous la condamnation du péché. C'est que Adam, donc tout homme qui naît en Adam, il naît sous la colère de Dieu, sous la colère de Dieu, parce qu'il a péché. Retenez que Dieu a dit à Moïse quoi? C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Alors Adam a péché. Quand Adam a péché, alors que son nom était écrit, c'est qui le second Adam? C'est-à-dire le deuxième Adam. C'est qui le deuxième Adam? Le deuxième Adam, c'est Caïn. Le deuxième Adam, c'est Caïn, parce que c'est le deuxième homme que Adam a créé. Le troisième, c'est Abel. 7, ainsi de suite. Et depuis que Adam a commencé à donner les enfants, c'est le nombre des enfants d'Adam. Le premier Adam, deuxième Adam, ça veut dire seulement le premier, deuxième, troisième, quatrième de la descendance d'Adam. Et tous les hommes qui naissaient, c'était le énième Adam. Tout le monde qui naissait, c'était le énième Adam, énième Adam, énième Adam. Et les Adam étaient en train d'être nés. Les Adam étaient en train d'être nés sous les péchés, privés de la gloire de Dieu parce qu'ils naissaient dans les péchés. Jusqu'à ce que Jésus-Christ aussi est né de Marie, Adam. Et quand Jésus-Christ est né, la Bible l'appelle le dernier Adam. Pourquoi? C'est lui qui vient maintenant parce que Adam et sa descendance et tous ses enfants méritaient la punition de Dieu. Méritaient d'être frappés de mort, méritaient d'être condamnés. Et mais personne ne pouvait payer le prix pour enlever cette condamnation-là sur Adam et sa descendance. Maintenant, il y a un Adam qui est né avec la chair humaine et qui prend sur lui toute la condamnation qui était sur le premier homme. Et dès qu'il est mort à la croix, la colère de Dieu est satisfaite. Le péché est ôté. De telle sorte qu'après Jésus, tout homme qui naît n'est plus Adam.
Dieu ne peut plus voir la colère. Il ne peut plus voir le péché, la condamnation, parce que Jésus est le dernier Adam. Il a payé tout le prix. Après Jésus, sur la terre, il n'y a plus eu de descendance d'Adam. Parce que le prix de Jésus à la croix était pour tous les hommes, pour tous les hommes. À partir de la mort de Jésus à la croix, tous ceux qui sont nés après cela, après ces sacrifices-là, oh my God, ils ne sont plus sous la colère. Et ils ne sont plus sous la colère. Dieu ne voit plus personne sous la colère de Dieu. Et tout le monde maintenant est sauvé. Tout le monde est sauvé. Cette colère qui faisait que les noms soient effacés du livre, les noms sont remis. Les noms sont remis. Ceux-là dont le nom d'Adam était effacé dans le livre parce qu'il avait péché avec toute sa descendance. Leur nom était effacé. Mais Jésus-Christ est venu, il a enlevé la raison pour laquelle les noms étaient effacés et leur nom a été remis. Et après la mort de Jésus à la croix, plus aucune personne, son nom n'a été effacé. Et de telle sorte que tous ceux qui naissent même aujourd'hui, tout le monde naît sous la grâce. Et Dieu, quand il regarde, il ne voit pas les péchés. Maintenant, le fait est ceci. Suivez-moi très bien. C'est pourquoi le verset 47, la Bible appelle Jésus le deuxième homme, le second homme. Le premier homme, 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est céleste. Et Jésus est appelé le second homme, mais le dernier Adam. En tant que second homme, il commence une nouvelle race des hommes sur la terre. Il commence une nouvelle race des hommes sur la terre. Et quand Dieu regarde maintenant, c'est pourquoi la Bible déclare dans Romains 8 qu'il n'y a désormais plus une condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a pas de condamnation. Maintenant, je vous explique le mystère du salut. Le mystère du salut, c'est pourquoi l'évangile est appelé la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que quand un homme est né, je vais prendre un exemple pour faire ça, pour que cela soit plus clair. Admettons, vous qui me suivez, je vais prendre l'exemple de qui? Je prends l'exemple de Mama Wiva qui me suit. Je viens, je dis bonjour Mama Wiva. Mama Wiva. Mais avant, le papa de Mama Wiva est décédé. Avant que le papa ne meure, il est allé à la banque. Il a ouvert un compte. Il ouvre un compte. Il le met au nom de Wiva Kalombo. Wivina Kalombo. Il dit, ça c'est l'argent de ma fille. Et il y dépose 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. Il dit, c'est pour ma fille, c'est son nom. C'est elle qui a la signature et le droit de retirer, c'est son nom. Le banquier qui est là à la banque, il sait que cet argent appartient à Wivina. Devant les banquiers, les agents de la banque et tous ceux qui ont cette information-là, Mama Wiva n'est plus un pauvre, mais c'est un millionnaire parce qu'elle a 5 millions en banque. Elle n'est pas pauvre, c'est un millionnaire. Maintenant, admettons qu'elle vit dans la pauvreté quelque part. Elle manque à manger, elle manque à boire, elle manque de tout. Le fait qu'elle manque à manger, elle manque à boire et elle vit dans cette pauvreté, n'enlève pas la vérité qu'elle soit millionnaire. Le problème est qu'elle ignore qu'elle est millionnaire et qu'il y a 5 millions en banque pour elle. Donc, aussi longtemps qu'elle sera ignorante de cette information-là, que les 5 millions là-bas lui appartiennent, elle sera en train de souffrir dans la pauvreté, elle vivra comme un pauvre et elle risque même de mourir comme un pauvre et être enterrée comme un pauvre. Le fait qu'elle ignore que les 5 millions lui appartiennent n'enlève pas la vérité que ces 5 millions-là sont à lui. Elle est millionnaire. Elle est millionnaire. Maintenant, il faut quelqu'un de bonne volonté qui se dise, non, cette femme est en train de souffrir en vain alors qu'il n'y a que ces 5 millions qui sont là-bas. Allons et informons-la et qu'elle aille simplement retirer ces 5 millions. Si quelqu'un maintenant vient et lui informe, « Oh, Mama Wiva, tu es en train de souffrir dans la pauvreté comme ça? Tu dors dehors, tu manques à manger. Il y a 5 millions, tu es un millionnaire, il y a tes 5 millions à banque. » Si elle refuse d'aller prendre ces 5 millions-là, elle restera pauvre. Mais cela ne va pas enlever le fait que ces 5 millions sont à elle. Elle peut refuser, « Je n'irai pas prendre ça. »
Et si elle refuse, c'est son problème. Elle va vivre comme un pauvre et elle va mourir comme un pauvre. Elle sera enterrée comme un pauvre. Mais si elle va, elle prend ces 5 millions-là, elle va vivre comme un millionnaire. Elle sera enterrée comme un millionnaire. Maintenant, cela représente effectivement les saluts. Tout homme qui naît et qui vit dans les péchés, en réalité, il n'est pas pécheur. Il vit dans les péchés parce qu'il ignore qu'il y a dans la banque de la vie céleste, qu'il y a le salut pour lui dans une banque. Quelqu'un avait placé autant dans un compte pour lui, ça lui appartient, mais seulement il faut que quelqu'un aille lui informer. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Maintenant, j'ai donné l'exemple des millions. Si cette personne à qui appartiennent les 5 millions ne va pas prendre ces 5 millions, elle vivra comme un voleur et comme un pauvre alors qu'elle ne l'est pas. Elle va mourir comme un pauvre et elle sera enterrée comme un pauvre. C'est la même chose maintenant avec un homme qui est né et qui refuse de recevoir les saluts que Jésus a déjà disposés pour lui. Cette personne vivra comme un pécheur. Il va mourir comme un pécheur et il sera condamné à la fin comme un pécheur. C'est-à-dire, l'enfer est réservé aux pécheurs, mais comme lui, il est mort comme un pécheur, il sera en enfer comme un pécheur, alors qu'en réalité, il n'est pas pécheur. Il a simplement refusé de prendre ce qui est à lui. Et il a vécu comme un pécheur. Il a été enterré comme un pécheur et il sera jugé comme un pécheur. Il vivra en enfer comme un pécheur. En réalité, Jésus avait déjà payé pour lui. Quand tout homme vient au monde, il y a déjà les saluts pour lui. Quand Dieu regarde les hommes, il ne voit plus aucune condamnation. Mais celui qui refuse maintenant de prendre cela, d'aller, de signer et de retirer ce qui est dans son compte, c'est ce que la Bible dit, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Ce n'est pas en ce moment-là que le salut devient à toi, mais le salut a déjà été pour toi, mais seulement tu entres en possession de cela. Si quelqu'un refuse d'entrer en possession de son salut, il va mourir comme un pécheur et rendre en enfer. C'est ce qui fera la plus grande souffrance au ciel. Pourquoi? Les hommes qui iront en enfer se rendront compte qu'ils sont allés en enfer inutilement et pour rien, alors que l'enfer n'était pas leur place. Ils ont simplement refusé de prendre ce qui était en eux, la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ceux qui seront en enfer seront dans la tristesse parce qu'ils vont se rendre compte, mais j'étais sauvé depuis que j'étais sur la terre, mais seulement j'ai refusé de prendre cela, j'ai refusé de prendre cela. C'est ça le souci, le plus grand, ce qui fera que les hommes pleurent en enfer, ils vont se rendre compte qu'ils sont allés là-bas, ce n'était pas leur place, ils avaient leur place bien établie dans le royaume de Dieu, mais seulement ils ont refusé. Et cette conscience-là, c'est nous, enfants de Dieu, que nous devons l'avoir que, tous les pécheurs que je vois là, en réalité, quand Dieu les regarde, il ne voit pas des pécheurs, mais il voit des sauvés parce que leurs noms sont écrits déjà là-bas. Mais seulement, il faut que chacun reçoive cette bonne nouvelle que, mon ami, tu vis dans la pauvreté, tu vis dans les péchés inutilement, il y a déjà un compte pour toi, ta vie est là-bas. Va seulement, accepte dans ton cœur et prends-la, tu es sauvé. Ce n'est pas par les œuvres, non, afin que personne ne se glorifie. C'est ça le salut. Ce ne sont pas les œuvres d'un homme qui sauve un homme. Les hommes sont sauvés avant toute chose. Mais la confession du salut, c'est simplement le fait d'accepter et de prendre ce qui t'a été donné gratuitement. Maintenant, réalise que toi, enfant de Dieu, chaque fois que tu ne partages pas l'évangile, tu es en train de condamner la vie des gens inutilement, alors que ces gens-là, Christ a payé pour eux. C'est ce qui fait que moi, je ne reste pas tranquille quand je pense à ceux-là qui vivent en tant que des pécheurs, alors qu'aux yeux de Dieu, ils ne sont pas pécheurs. Il y a leur compte du salut entre les mains de Dieu. Il faut seulement leur annoncer l'évangile, leur montrer cela. C'est pourquoi l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. C'est ça le plan du salut. Et les noms ont été écrits depuis. Et Christ est venu maintenant exécuter ce plan-là. C'est pourquoi il dit qu'il a racheté pour Dieu tous les hommes, personne n'a été exclu. Tous les hommes ont été, il n'y a personne. Maintenant, regarde le drame dont tu es la cause par le nombre de personnes qui meurent sans avoir l'information que leur compte est déjà là.
Imaginez que tu laisses une... c'est quelqu'un... Imaginez seulement que quelqu'un à qui on a laissé l'héritage de 5 millions, mais qui vit comme un clochard dehors. Et toi, tu as l'information, tu laisses cette personne-là affamée et mourir de faim. Tu sais que cet argent-là, toi, tu ne peux pas l'avoir parce que ce n'est pas à toi, c'est en son nom. Tu ne peux pas dire que non, je garde l'information pour que moi j'aille bénéficier de la personne, ne bénéficiera du salut de l'autre. C'est à lui, c'est à lui, c'est en son nom, tu ne peux pas le prendre. Et toutes les bénédictions qui sont attachées à ce salut-là, ce n'est pas à toi, c'est à lui. Toi, tu as aussi le tien. Mais tu refuses de donner l'information et cette personne-là meurt comme un pécheur, enterré comme un pécheur et il ira en enfer comme un pécheur simplement parce que toi, tu ne lui as pas partagé la bonne nouvelle qu'il a déjà été sauvé. Frère, sœur, que ceci te donne la conscience et l'importance de partager la bonne nouvelle. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est appelé dans la Bible le dernier Adam. Il a mis fin à tous les hommes qui sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes maintenant qui naissent, ils sont bénéficiaires de la gloire de Dieu. C'est comme l'histoire de l'enfant prodige. Il est parti. Mais le fait qu'il soit en train de souffrir de faim là-bas, mangeant les histoires de porc, de cochon, n'avait pas enlevé que tout ce qui était dans la maison de son père lui appartenait. Mais le jour où il a eu conscience, il a dit, moi je souffre de faim ici alors qu'il y a mon compte chez mon père. Je rentrerai vers mon père. Et le jour où il est rentré, le père lui a dit, même lorsque tu avais pris les choses, tu es parti. Ce qui est dans cette maison a toujours été à toi. Regarde maintenant les hommes qui vivent dans les péchés inutilement, les hommes qui souffrent inutilement, alors que dans la maison de leur père, il y a leur part. Dans la maison de leur père, il y a leur bénédiction. Dans la maison de leur père, il y a la vie. Frère, partageons l'évangile. Annonçons la bonne nouvelle. Et change à partir d'aujourd'hui ta façon de regarder ceux que tu considères comme des pécheurs. Parce que Christ a payé pour eux. Ils ne sont pas des pécheurs aux yeux de Dieu, mais ils sont des personnes sauvées ignorantes qui vivent ce qu'ils ne devaient pas vivre. Et Dieu te donne la responsabilité de leur partager la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Qu'ils sont déjà sauvés. Christ a déjà payé pour eux. Hein? Christ a payé pour eux. Ils n'ont qu'à aller à la banque et retirer leur compte. À la banque céleste et retirer leur compte. Et c'est tellement facile. Comment est-ce que c'est facile? Il suffit simplement de dire, de croire dans son cœur que Christ est mort effectivement pour ça et de déclarer de sa bouche. Une fois tu l'es fait, tu le déclares, pap, tu es sauvé. Tu ne perds pas l'argent, tu ne sautes pas, rien. Tu n'as rien. Écoutez mes frères, il n'y a rien à faire. C'est ça le salut qui sauve les hommes. Ce ne sont pas tes œuvres, non. Moi, j'ai... Non. Même l'homme qui vit correctement, qui ne commet pas l'impudicité, qui ne ment pas, qui ne tue pas, qui vit correctement selon les valeurs de la vie de la société, s'il n'est pas allé dans cette compte-là, confesser de sa bouche et croire dans son cœur, il ira en enfer. Parce que le salut n'est pas une... Personne n'est sauvé par ses œuvres parce que moi, je n'insulte pas les gens, parce que moi, je ne vole pas les histoires de gens, parce que moi, je ne prends pas les formes d'autrui, moi, je vis correctement. Non, ce n'est pas le fait de vivre correct. Hein? Ce n'est pas le fait de vivre correct. Il faut aller prendre son compte, affirmer, confirmer son salut en faisant quoi? En croyant dans son cœur et en déclarant. Ce n'est pas les œuvres des hommes. C'est pourquoi nous devons conduire les hommes à croire en Jésus-Christ. La prédication de l'évangile ne consiste pas à dire à quelqu'un, arrête les péchés, arrête l'impudicité, arrête ceci. Non, ce n'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de dire à quelqu'un, écoute, tu es en train de pratiquer ces choses, tu es en train de vivre dans cet état inutilement hein, parce que tu ignores qu'il y a un compte. Va prendre ton compte de la vie. Comment tu le prends? Regarde, il y a un homme, tu vois le péché que tu es en train de commettre, que tu as commis même depuis ta naissance. Quelqu'un a déjà payé pour ça. Tout ce que tu as à faire, c'est de quoi? De croire qu'il a effectivement payé pour ça et de le déclarer dans ta bouche. Tu es sauvé, mon frère. Tu es sauvé. C'est ça la bonne nouvelle. Et puis la personne va dire, oh, malgré tout ce que j'ai fait, oui. Malgré tout ce que j'ai fait, oui. Sauvé. Pas les œuvres. Pas les œuvres. Yeah, pas les œuvres. Est-ce que vous comprenez ça? Et maintenant, l'agneau de Dieu, ici, Jean,
a vu ce plan-là. Ah, maintenant, Jean, vous voyez comment ce plan est merveilleux. C'est-à-dire que les hommes, malgré tout ce qu'ils ont fait, malgré les péchés d'Adam, malgré les péchés que les gens commettent, malgré tout ça, c'est parce que le diable est en train de troubler les malheurs que le diable... Il fallait maintenant que quelqu'un vienne mettre fin à cela. Et Jean voit cette scène-là, c'est pourquoi il pleure, il dit, hey, « qui est digne d'exécuter ces plans? Qui est digne d'exécuter ces plans? Qui est digne ?» Et puis, on lui montre, non, quelqu'un avait déjà trouvé la solution depuis. Maintenant, la chose qui restait, les plans restants, c'est quoi? C'est d'arrêter maintenant les diables et de les jeter en enfer. C'est ce qui était resté à faire. Et ça, c'est la partie qui est réservée pour la fin des temps. Christ a déjà sauvé les hommes. On a donné maintenant la révélation à Jean qu'avant même que cela n'arrive, il avait déjà trouvé la solution pour délivrer les hommes. Maintenant, l'autre partie du plan qui consiste à venir lier le diable et les jeter en enfer, c'est ce qui va se passer à la fin des temps. Ça, c'est la révélation globale que Jean reçoit ici. C'est pourquoi on dit, il a racheté tous les hommes, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Mais présentement, ils ne peuvent pas régner. Pourquoi? Parce que le diable est encore sur la terre. Malgré que les hommes sont sauvés, malgré que les hommes sont délivrés, ils ne peuvent pas régner sur la terre. La personne qui règne sur la terre maintenant, c'est encore le diable. Or, Christ a racheté les hommes afin qu'ils règnent sur la terre. Maintenant, pour que cette œuvre soit complète, il faut maintenant que le diable soit lié et qu'il soit condamné à et que la terre soit restaurée pour que l'homme règne sur la terre. C'est ça le plan de Dieu, qu'il règne sur la terre. Et maintenant, les sceaux qui doivent s'ouvrir et s'exécuter constituent maintenant les plans de Dieu. C'est pourquoi même, oh my God, Mandela Zubradikai Dahasa, au chapitre 6, les gens ne voient pas, ne parlent pas de 7 sceaux, mais ils parlent de 6. Ils parlent de 6 sceaux. Il parle de 6, pourquoi? Parce qu'un sceau a été déjà, c'est-à-dire le premier plan de l'exécution du salut a déjà été exécuté avant. Il n'en restait que 6. Il n'en restait que 6. C'est pourquoi quand vous lisez, oh my God, au 6e, Apocalypse 6, verset 16, hein, et il disait, attendez, commençons verset 14. Bon, verset 13, de Apocalypse 6, 13. La Bible dit ceci. « Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées et de leur place. Le roi de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. » Déjà, il nous montre que le dernier saut, c'est lorsque le Christ reviendra et il va détruire maintenant, donner le jugement dernier et remettre le règne aux hommes. Maintenant, la mauvaise compréhension du livre d'Apocalypse fait en sorte que celui qui lit, par exemple, le livre d'Apocalypse au chapitre 6, il veut que les sceaux sont ouverts suivant un ordre, c'est-à-dire premier, deuxième. La Bible ne dit pas ça. C'est pourquoi je parle de la paresse intellectuelle dans la lecture de la Bible, que Dieu vous en délivre. Écoutez seulement, je vais lire quelque chose. Apocalypse 6, verset 1. Écoutez, la Bible dit, « Voici, j'ai regardé, quand l'agneau de Dieu ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait d'une voix forte, d'une voix de tonnerre, viens. J'ai regardé et voici paru un cheval blanc. Celui qui montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. La Bible n'a pas dit que le sceau qui a libéré le cheval blanc ici, c'était le premier sceau. Non. Le premier sceau a été ouvert lorsque Christ, l'agneau de Dieu a été immolé. C'était ça le premier plan du salut. Maintenant, ici, pour montrer que ce sceau qui est ouvert ici au chapitre 1, ce n'est pas le premier, la Bible ne dit pas l'ange ouvrit le premier sceau. Mais on dit pas l'agneau ouvrit le premier sceau. On dit l'agneau ouvrit un des sceaux.
Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Lisez dans toutes les versions que vous voulez, anglaise, n'importe quelle. On ne parle pas du premier sceau, mais on parle de l'un des sceaux. C'est-à-dire ceci. Le plan du salut, il y avait 7 sceaux. C'est-à-dire qui déterminaient les événements qui amèneraient jusqu'à l'accomplissement total. C'est pourquoi c'est 7, le chiffre de la plénitude. Et il y avait 7 sceaux. Le premier sceau a déjà été ouvert lorsque l'agneau s'est sacrifié à la fondation du monde. Il en restait 6. Et dans les 6 là, les 6 sceaux ne sont pas ouverts suivant un ordre, selon la révélation que j'en vois. Je ne vois pas l'ouverture de sceaux selon un ordre, l'ordre de premier, deuxième, troisième. Non, non, non. Il voit des révélations en désordre des tableaux. Et le sceau qui libère les chevals blancs, ce n'est pas le premier sceau, ce n'est pas le deuxième sceau, ce n'est pas, mais c'est l'un des sceaux. C'est-à-dire, les sceaux étaient ouverts comme ça, pam. Ça pouvait être, on ouvre le quatrième sceau, mais Jean, dans la vision, il le voit en premier. Il voit l'ouverture du quatrième sceau en premier. Et il raconte ça. J'ouvris, il ouvrit l'un des sceaux. Il ne dit pas, il ouvrit le premier sceau. Est-ce que vous comprenez ça? Nous allons en parler en profondeur peut-être demain ou après-demain. Mais ici, je voulais vous montrer le plan. Que veut dire le livre et ses 7 sceaux? C'est l'exécution du plan qui a commencé avec le sacrifice de l'agneau et qui va se suivre avec les 7 sceaux qui seront ouverts et les 6 autres que nous allons étudier maintenant de manière suivie dans les jours à venir. Mais avant que nous voyons maintenant l'ouverture de sceaux, demain, nous allons sauter pour voir, étudier l'Apocalypse 12, où on parle de la femme, avec 7 étoiles sur la tête et toutes ces choses-là. C'est demain où nous verrons cela. Et c'est comme ça que je vous avais promis, je vais vous montrer un peu les événements, pour que vous compreniez les livres d'Apocalypse, comprendre les événements. Et nous avons fini pour aujourd'hui. Je prie que le Seigneur te fasse comprendre ces choses au plus profond de toi. Les secrets du salut, les secrets de la délivrance. Si tu vivais avec des condamnations dans ta tête, non, 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 non. Sache que depuis le jour où tu as reçu Jésus-Christ, yes, 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 tu as pris part à ton héritage des enfants de Dieu. Et rien ne peut t'empêcher de jouir de ce salut-là pleinement. La chose qui t'empêche d'en jouir, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est pourquoi j'enseigne ces choses afin que l'ignorance soit ôtée. Reste seulement fidèle dans ces programmes d'enseignement et le Seigneur enlèvera l'ignorance et tu vas commencer à jouir de ton héritage. Sois motivé à partager l'évangile parce que sache que tout homme à qui tu partages l'évangile est déjà sauvé. La chose qui lui reste, c'est seulement de confesser. C'est comme ça que beaucoup de gens doutent. Lorsqu'ils partagent l'évangile et puis quelqu'un dit « Oui, tu lui bosses, maintenant tu expliques l'évangile, tu lui expliques que Jésus est mort pour lui, et puis tu lui poses « Est-ce que tu veux recevoir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur ?» et tout ça. Si la personne fait la prière, il y a d'autres qui doutent. « Est-ce que cette personne est vraiment sauvée ?» Non, il est sauvé. Ce n'est pas par les œuvres. Le fait, c'est vraiment qu'il ait cru dans son cœur et déclaré de sa bouche. S'il les déclare sincèrement, il est sauvé. Il est sauvé. Et que cela te motive à partager l'évangile. Et si toi aussi tu t'inquiétais pour le sort de l'humanité, comme Jean qui a pleuré, arrête de t'inquiéter. Il y a le salut qui est en Jésus-Christ. Il n'y a que la révélation qui viendra te permettre de jouir de cela. Et on lui montre maintenant, on est en train de donner. Et après cela, la Bible dit, je vais lire pour clôturer, au verset 11 du chapitre 5, que j'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des veillères. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle de siècle. Et le quatre êtres vivants disaient, Amen.
Amen. Et nous aussi, nous disons Amen. Je prie au nom de Jésus, Père, alors que ta parole a été prononcée, déclarée, que le salut soit accordé à mes frères et sœurs. Seigneur Dieu, je prie que ta main touche ses frères pour son projet. Merci de lui donner ce dont il a besoin pour exécuter son projet. Merci d'éloigner des mauvaises personnes. Merci de permettre à mes frères et mes sœurs d'avoir les yeux ouverts et de rester dans la vérité jusqu'à ce que tu reviennes. Qu'aucun d'eux ne se détourne de cette vérité. Accorde-nous dans ces programmes d'aller encore de gloire en gloire, de profondeur en profondeur, et que le Saint-Esprit nous éclaire, et que toutes les ténèbres qui pouvaient environner nos vies, les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres de la malédiction, les ténèbres du malin, soient ôtées par ta puissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, partagez la vidéo, invitez les amis à le suivre, et allez dans notre page, dans notre chaîne YouTube, Évangéliste Thuram Kasongo TV. Suivez les vidéos et commentez. Suivez. Si vous n'avez pas encore souscrit à notre chaîne YouTube, allez souscrire. Et si vous n'avez pas encore aimé notre page, allez aimer et partagez la page avec les amis parce que nous allons aller des profondeurs. Et les choses qui vous semblaient être mystérieuses dans ces livres d'Apocalypse deviendra très claires pour vous. Demain, ne manquez pas. Nous allons parler de l'Apocalypse 12, là où on parle du dragon, on parle de la femme qui a mis au monde un enfant. C'est qui cet enfant? C'est qui cette femme-là? C'est qui les dragons? Et nous allons expliquer tous ces mystères-là qui sont révélés et qui ne sont pas cachés. Que la main de mon Dieu soit avec vous. Passez une excellente nuit et bon début de semaine. On se retrouve demain. Que mon Dieu vous bénisse. Et pour ce soir, je vous dis au revoir.